Une petite maison, je la vois déjà mignonnette, ensoleillée, ni trop petite, ni trop grande, tapisserie fleurie. Par ma foi, le notaire saura bien m'indiquer la maison dont j'ai rêvé. Oups, et ben me voilà arrivée. Oui, qu'est-ce que c'est? À frémir. Mais comme je m'arrêtais là, la sorcière ne pouvait rien. Alors, voyant cela, moi, chaque jour, je me suis mis à en dire un peu plus. Sorcière, sorcière, prends garde. Bien sûr, on fait un travail en classe. S'il y a un texte littéraire sur le texte littéraire, par exemple, nous avons travaillé sur la sorcière de la rue Mouffetard, bien sûr en lecture, et aussi en réseau, sur le travail sur les sorcières. Et ensuite, on se pose des questions, bien sûr, sur ce qu'on va aller voir. Donc, on prépare toujours ce spectacle. Ensuite, on en parle aussi, après, en classe. Là, par exemple, ils ont un carnet de lecture où ils écrivent dans ce carnet ce qu'ils ressentent ou leur rencontre avec les œuvres, hein, plus qu'un travail là, scolaire. C'est vraiment la rencontre émotive. Et là, dans ce carnet, ils ont écrit comment ils avaient vu la comédienne interpréter différents personnages alors qu'elle était seule. Et Agnès Pétraud, on a fait un travail avec elle, là, avant d'aller voir ce spectacle, en théâtre. Elle a initié les enfants un petit peu au travail théâtral, comme comédienne, et au travail avec le masque. Oui, monsieur Pierre. Oui, une maison. Oui, à 5 francs. Mais non, voyons, enfin, c'est des maisons à 1 million, 2 millions, 3 millions. Et je vais juste me démaquiller, puis ensuite je vais revenir discuter avec vous, essayer de répondre à vos questions. Elle peut plus être dans son placard au balai en train de avec une grenouille ordinaire, c'est quand même... Il y a un certain nombre de communes qui font partie de la communauté du Pays d'Aix, qui ont des services culturels, avec à leur tête des professionnels. C'est très important. D'avoir ça en région parce que justement ce sont des gens dont c'est le métier et donc pour nous c'est des vrais partenaires et à Venel on a une vraie fidélité de la part de la commune et du service culturel. Ça veut dire que c'est pas la première fois qu'on connaît bien les écoles, que moi j'y ai travaillé dans le cadre de projets différents, voilà, et que donc il y a eu en amont aussi une rencontre avec les élèves, il y a des discussions après le spectacle, donc on se connaît. Il y a des pratiquement il y a des enseignants et des enfants qui ont vu plusieurs spectacles, donc qui me suivent. Voilà, j'ai été en résidence ici. Ça veut dire que j'ai passé quelques mois un peu à naviguer entre différentes salles. Donc il y a quelque chose qui a été créé sur le terrain par la volonté de l'équipe culturelle et par la fidélisation avec une compagnie. Donc on peut vraiment faire notre travail, nous, de lien entre théâtre et jeune public. Ce que je voulais aussi dire, c'est que cette sorcière du placard au balai est en tournée dans le cadre, et ça c'est très important de le dire, parce que c'est des soutiens essentiels de la communauté des Pays d'Aix. Nous avons une subvention, ces spectacles sont offerts aux mairies, voilà, et c'est dans ce cadre-là, 10 communes nous ont choisis pour jouer ce spectacle dans les écoles. Nous avons proposé en amont de la présentation toujours un atelier sur le travail masqué, puisque dans le masque, on retrouve un personnage qui est masqué. La sorcière du placard au balai fait partie de nos formes légères. Alors, légère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une comédienne, il y a un décor suggéré, donc très, très léger en poids, voilà, et que ce spectacle, il a été construit pour se promener, justement, dans des médiathèques, dans des salles de spectacle, dans des configurations très diverses, voilà. Dans la compagnie, il y a deux formes, ces formes-là, qui sont, en fin de compte, des contes théâtralisés, avec une scénographie, une comédienne, et quelque chose qui se passe à travers le livre aussi, à chaque fois un auteur. Moi, je joue aussi le journal d'un chat assassin d'Anne Fine, donc c'est pareil, c'est le même concept, voilà. Mm-hmm. Puis après, on a des spectacles, bien évidemment, qui sont à plusieurs comédiens, dans le style normal d'une création, enfin, partie des spectacles que nous jouons dans différents théâtres de la région.
Voilà. Et donc, cette création, la volonté de cette création, c'est vraiment d'entretenir le lien avec la lecture et d'être dans le rêve et dans l'imaginaire. C'est-à-dire, dans une époque quand même, on le sait suffisamment, où on a des choses assez représentatives. Bon, on l'a vu dans la discussion tout à l'heure avec les enfants, où il faut absolument qu'il y ait une réponse, ils sont très rationnels. Donc, du coup, de repasser à l'imaginaire, à la créativité, comme ça, des choses qui peuvent échapper, du rêve, c'est essentiel. Et dans ce spectacle, moi je pense qu'il y a une part active du spectateur, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas tout à... On leur donne leur espace de rêve, comme quand on lit un livre et qu'à travers les mots de l'auteur, on imagine son propre film, ses propres personnages, on les visionne, on les crée, il y a une part de créativité. Voilà, peut-être inconsciente, mais qui existe. Voilà, dans ces spectacles-là aussi, il y a un espace, ça me semble, ouvert pour que l'imaginaire du spectateur fonctionne. Voilà. Il y a 2 ans, moi j'avais déjà travaillé avec Agnès Petrou, parce que dans le cadre de l'ASPA, avec le financement de l'ASPA et de Venelle, on avait écrit des contes à partir du patrimoine Les Moulins à Venelle. Et ces contes ensuite écrits par les élèves avec aussi l'intervention d'un écrivain, nous l'avions mis en scène, Agnès Petrou l'avait mis en scène. Et nous l'avons joué devant les parents. Nous l'avons filmé d'ailleurs. L'année dernière, par exemple, nous sommes allés écouter Michel Melchion, mais aussi dans le cadre de l'ASPA, nous avions inventé un recueil de poèmes. Michel Melchion nous a aidé aussi à inventer une chanson, créer une chanson, que nous avons aussi enregistrée et nous avons fait un livre. Pourquoi dois-je prendre garde à mon derrière ?